أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه، اللهم أعنه في مهمته وأدبنا في حضرته يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. La terre, le feu, l'air et l'eau sont quatre éléments indissociables et vitaux pour les humains, les animaux et les végétaux. Subhanallah, ces quatre éléments, on les trouve bien présents pour assurer le fonctionnement du moteur thermique, comme celui-là, c'est un moteur de mobilette. Je vais vous expliquer le comment. En fait, le moteur thermique, on assemble des pièces mécaniques pour avoir un moteur thermique. Ces pièces sont faites de métaux, comme l'alliage, l'aluminium, fonte ou autre métaux. Les métaux proviennent de la terre. Quand je dis la terre, ça veut dire Torah. Et du coup, on trouve la présence du premier élément. Le moteur, quand il est tournant, il y a une phase qu'on appelle phase d'explosion. En fait, le moteur fait quatre phases. Parmi ces phases-là, il y a la phase d'explosion. Donc, quand on parle d'explosion, on parle de feu, d'où la présence du second élément. Il y a une pièce qui s'appelle carburateur qui se met sur le moteur, et c'est cette dernière, elle alimente le moteur en essence. Elle a besoin d'air pour envoyer doses précises au moteur. D'où on trouve la présence aussi du troisième élément qui est l'air. L'essence est un pétrole et le pétrole a besoin du facteur d'eau pour qu'il se forme au niveau de la roche pétrolière. On trouve ici la présence du quatrième élément, l'eau. Et si l'un des facteurs, on enlève un des facteurs, le moteur ne pourra jamais fonctionner. Allah Azza wa Jal, dans son Saint Coran, il dit dans le verset numéro 44 de Surat le Voyage Nocturne, وَإِنْ بَعْدَ عَوْضُ بِلَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Ça veut dire que toute chose le glorifie par sa louange. Comment le glorifier? Glorifier Allah Azza wa Jal, ça veut dire lui donner une valeur importante, le mettre au-dessus de tout. Et donc pour le glorifier, il faut l'adorer. On l'adore comment? En faisant des nawafil, en jeûnant, faisant deux jours de jeûne en dehors du mois de Ramadan, en méditant sur sa créature et en l'invoquant beaucoup. Pourquoi je dis on doit l'invoquer? Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le verset numéro 44 de sourate l'Ankabout, l'araignée, il dit, ça veut dire l'invocation de Allah est quelque chose de très 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 important et de très grande. En revenant au premier verset, on comprend que toute chose, à la base, elle invoque Allah Azza wa Jal. Donc aujourd'hui, on va voir comment un moteur thermique invoque Allah Azza wa Jal. Donc on va prendre quatre pièces de ce moteur. Ils sont le vilebrequin, la bielle, le piston et la bougie qui est là. Et on va voir quel mouvement fait chaque élément au moment où le moteur il est tournant. Pour le cas du vilebrequin qui est là, au moment où le moteur il est tournant, il fait un mouvement rotatif, un mouvement circulaire. D'où il trace un cercle. La bielle qui se met dessus, cette partie-là, cette tige, elle fait un mouvement sous forme d'une goutte ou d'une larme, d'une goutte de larme. Donc elle fait à peu près ça. Le piston qui vient se mettre sur la bielle, il fait un mouvement droit du bas en haut. Donc il fait un segment, il trace un segment. La bougie, comme je vous ai montré tout à l'heure, au moment où le moteur il est fonctionnel, elle émet des étincelles sous forme de segments droits. Parfois, les étincelles sont un petit peu penchées. Les trois premiers éléments que je vous ai montrés au début, le vilebrequin, la bielle et le piston,
dans le moteur, elles sont reliées, ces pièces-là sont reliées entre elles. Donc on va relier leur mouvement. Et subhanallah, on voit que le moteur, au moment où il tourne, il écrit, il invoque le nom de Allah Azza wa Jal. Allahumma nafa'ani wa iyyakum bi asrari kitabih. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma ij'alna min adh-dhakirin. اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وصلي وسلم وبارك على نور الأنوار مفتاح دار السلام حبيبي ونور قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب.